bonjour Patrick Bahamed Atlan, voilà, je suis à la Pommeraye pour les quarts de finale des championnats de France. Je suis venu pour promouvoir le gala de boxe qui aura lieu à Angers Boxing Club le 21 mars 2015 à la salle Jean Bouin à partir de 20h. Deux combats pro à l'affiche, Georges Jory contre Nicolas Lemoing en 6 reprises de 3 minutes et un combat pro féminin entre Ladji de Picardie, Ladji Taoussi et Bouchlaka Elodie de Perpignan. C'est pourquoi il a voulu se monter. Parce qu'il s'est dit, voilà, je vais me montrer plus fort que lui. Toi, tu y as répliqué. Là, je veux que le troisième... Pour ce gala, nous aurons 10 combats amateurs avec des espoirs comme Steve Laporte, Yassine Awas, Zakaria Harik, Kevin Jamois, Erwan Charnassé, Epa, David Bahamed, Khaled Omri, Samy et Émilie. Voilà, pour faire ce combat-là, il a fallu une grosse préparation. Et pour ce faire, je vais vous passer la parole à Georges Jory qui va vous parler un petit peu de sa préparation. Bonjour, je m'appelle Georges Jory, alias Tino pour ceux qui me connaissent. Voilà, je suis du Boxing Club d'Angers. Je vais boxer donc le 21 mars à Angers donc, contre Nicolas Lemoing en 6 rounds de 3 minutes. Donc, oui, je connais bien l'adversaire. On s'est rencontré à Saint-Brévin-les-Pins le 16 mai dernier. Un combat assez difficile. Donc, il veut une revanche. Donc, on lui a accordé cette revanche. Et j'espère faire un gros combat. Il va falloir vraiment bien se préparer et être très bon sur le combat pour pouvoir remporter. La préparation, on fait beaucoup de mises de gants, je travaille le foncier en ce moment. Donc là j'ai encore 3 ou 4 grosses mises de gants à faire pour pouvoir vraiment être fin prêt le 21 mars. Et je suis très très pressé de remonter sur le ring le 21 mars prochain, car ça sera en plus les 80 printemps de notre gala. Et du coup j'espère qu'il y aura beaucoup beaucoup de monde pour m'encourager, car j'en aurai besoin, je pense. Par rapport à mon adversaire qui va être, à mon avis, difficile, mais avec votre soutien, j'y arriverai. Ouais, je voudrais rebondir un petit peu sur les propos de Georges Jory, alias Tino. Voilà, c'est surtout le remercier de la part de son employeur, la mairie d'Angers, qui le soutient dans le cadre de sa préparation. Je voudrais remercier aussi le service des sports et loisirs qui met tout en œuvre pour que tout se passe bien. Et je remercie enfin le public qui va venir nombreux pour encourager Georges Jory, tous les amateurs et ce fameux combat féminin professionnel qui est une première en Maine-et-Loire. Enfin, je voudrais remercier tous les gens qui nous font confiance, les supporters, les sponsors et tous les gens qui gravitent autour du club, les bénévoles. Merci à tous. Donc voilà, je remercie aussi, je voulais juste dire un petit mot, c'est remercier la mairie d'Angers qui me détache du temps pour pouvoir bien me préparer et la récupération, bien récupérer pour justement bien entamer ce combat.